This is Dr. Catherine Collins. I don't know if anyone will ever hear this. It's all over. I'm the only one left. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode du Let's Play sur Everybody's Gone to the Rapture. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo puisque j'étais malade tout ça. Encore une fois, heureux de vous retrouver sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement. On reprend, donc petit récap. Alors, on est arrivé dans une ville dans laquelle on ne sait rien, on ne sait même pas qui on est. On est juste un petit peu un observateur extérieur à tout ce qui s'est passé. On arrive dans une vallée, donc au début on commence près d'un observatoire, même si on ne sait pas trop ce que c'est. Tout un immense domaine scientifique, enfin voilà, on voit plein de tours, les trucs comme ça. Il s'avère que au fil de notre exploration dans cette vallée, on va donc passer d'une ville, après plein de petites maisons, etc., etc., d'autres endroits, et on va découvrir qu'en fait il y a une entité extraterrestre du coup, sous la forme d'énergie. Enfin, au début ça se déplace d'objets électroniques en objets électroniques. Et bien cette entité va donc arriver. Apparemment, on a quelques indices qui nous indiquent que ça viendrait apparemment de l'espace. Donc ce serait venu sur Terre, donc au niveau de l'observatoire. Donc au début, c'était, elle était dans une tour, la tour 13, je crois. Je sais plus, enfin bref. Et donc en fait, elle a réussi à s'échapper en passant par des câbles électriques, etc. A contaminé toute la fameuse vallée où on est. Ensuite, donc les autorités ont bouclé cette vallée, l'ont mise en quarantaine. Et donc nous, en fait, on suit plusieurs personnages. On a suivi le curé de la ville. Ensuite, on a suivi Wendy, la mère d'un des deux personnages principaux, donc Stephen, qui est un scientifique de l'observatoire. Il a également une femme, Kate, qui travaillait avec lui et dont on a assez régulièrement des sortes de petits passages audio, donc sous la forme de radio comme celle que vous voyez ici. Voilà, donc tout ça nous explique que voilà, que l'intelligence artificielle qui a contaminé un petit peu toute la vallée se développe et voilà, essaye de partir, de s'échapper de son conditionnement. Elle a également contaminer les gens sous la forme d'une... Enfin, au début les gens pensaient que c'était une sorte de grippe, donc ils ont tous essayé d'échapper à cette grippe en quittant la vallée, sauf que étant mis en quarantaine c'était impossible. La grippe s'est plus transformée en... En gros on a des espèces de boules de liquide orange lumineux qui coule de nos veines. Et donc voilà, tout ça... Pour l'instant, on ne sait pas trop, on n'a pas encore assez de détails pour savoir exactement comment ça a fait pour passer de l'observatoire à l'extérieur. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas plus. Donc là, on était arrivé juste après la vaporisation de Wendy, qui a vu des avions, puisqu'en fait, on revoit des événements du passé. Donc on était arrivé à un moment où elle voyait des avions passer au-dessus, elle pensait être sauvée, sauf que... Pff, dispersé dans les airs, un peu comme le curé d'ailleurs avant elle. Et donc on suppose que c'est l'intelligence artificielle qui fait ça, mais on n'en sait rien du tout. Et donc comme de tous les épisodes précédents, j'enlève ma caméra et on reprend notre exploration tranquillement. Donc voilà, l'épisode sur Wendy est terminé, je pense en tout cas, dans la logique des choses. Et donc on va découvrir quelqu'un d'autre. Je rappelle que c'est aussi un jeu de contemplation. Il est très important de prendre son temps et d'apprécier un peu ce qui se passe. Absolument.
pas où je vais, si c'est dans le bon chemin. Bien, en fait, on continue à loger ça. Je sais pas du tout si on fait demi-tour ou pas. Déjà, on est au bord de la carte, c'est une aide. On va apprendre pas mal de choses de cette personne là, et d'ailleurs Franck, ça ne me dit rien. Un petit strike au passage pour commencer l'épisode. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires du coup ce que vous pensez de l'épisode et puis de la série en elle-même, de l'ensemble des vidéos sur le jeu. Ça me fait très plaisir de voir vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Puisque c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, très intéressant et très très beau. Qui donne vachement envie de continuer de. Voilà, très belle, mais... Là. Je sais pas du tout si si jamais on repart là-haut, on va revenir à la maison. Je vais faire une ellipse montage, ça sera plus sympa. Donc c'était bel et bien un retour vers la maison Wendy, donc voilà, je vous ai parlé le trajet aller-retour et on continue du coup notre exploration par là. Donc là on a une petite radio. Je vais chercher un petit peu les nouvelles. L'alimentation a surchargé avant de couper à nouveau, puis j'ai pu distinguer l'aurore poindre près de la tour 6. Au même moment, la migraine s'est intensifiée et je crois avoir commencé à halluciner. Des souvenirs récents et d'autres plus anciens s'affrontent tout autour de moi. Nous sommes à l'aube d'un premier contact, je le sens. Des souvenirs anciens et plus récents se... ça compte autour de moi, et ce serait pas ce qu'on est en train de vivre nous là par hasard. Et comment ouais, donc oui, il y a aussi le fait que l'IA a coupé toute activité électronique et technologique dans les environs. J'ai pas précisé. Hey Graeme,
Bonjour, Franck. Vous venez de courir un 100 mètres, ça va? Le portail de l'observatoire ne s'ouvre plus. Je viens t'emprunter ton échelle. Nom d'un chien, le mur fait presque 4 mètres de haut. Je suis vieux, mais pas inutile. Je peux te l'emprunter, cette échelle? Mais personne n'a dit que vous étiez inutile. Rhys? Ouais, Franck? Va me chercher l'échelle, s'il te plaît. Elle est derrière la grange. Pas de problème. Et fais attention, j'ai pas envie que Stephen Appleton vienne pleurnicher parce que tu t'es brisé le cou. Ah, donc ça, ce serait le fils? Le fils à Stephen. Toute la famille. Donc Franck, c'est un des scientifiques aussi. Un collègue donc à Stephen et Kate. Qui là venait du coup chercher une échelle pour rentrer à l'observatoire. Puisque oui, c'est vrai que quand on a débuté notre aventure, l'observatoire était bouclé complètement. Alors, public qui passe. Chemin communal un petit peu. Sentier pédestre aussi. Bien. Soit on descend là-bas, soit on va par là. On va aller voir le tracteur. Encore une ogive. Qu'est-ce qu'ils ont fait du coup? C'est troublant parce qu'on a envie de se dire que c'est les ogives qui exterminent tout le monde. Mais qui a fait disparaître les corps? Ça après on sait pas combien de temps on est arrivé, donc voilà, ça peut être plein de gens. Ou alors est-ce que les gens ont vraiment tous disparu comme vous les avez vu disparaître Wendy et le curé? C'est troublant. Qu'est-ce que c'est que ça? On aurait dit un bruit d'avion. Là, il faut une grande... J'espère qu'il y a une radio, au moins. Ah. Ok, donc... Tes bêtes hier, elles allaient bien pourtant d'après ce que tu m'as dit. Je les ai soignées hier soir à mon retour et tout était normal. Je me réveille ce matin et elles sont toutes mortes. Dis, Charlie, t'as entendu le chant des oiseaux aujourd'hui? J'ai pas vraiment fait attention. Ma sœur dit qu'il n'arrête pas de tomber du ciel dans toute la vallée. Et le docteur Wade me dit que tout le village était malade. Meg a dit que c'était pas la peine qu'on cherche à faire les livraisons. Ils ont mis toute la vallée sous quarantaine. On ferait mieux d'attendre que ça se tasse. Ça va bien se passer, Franck. Ça va bien se passer. Ouais, écoute. Je suis désolé pour tes vaches. Mais quand les choses se calmeront, tu seras dédommagé. Il doit bien y avoir un budget pour ce genre de cas. Écoute un peu plus la radio. Les choses n'ont pas l'air de vouloir s'arranger du tout. Je te le dis, Charlie, il y a un truc grave qui se prépare. D'accord, donc là on voit Franck. On sait pas qui c'est pour l'instant. À part qu'il... fait apparemment partie de l'observatoire, bon, en tout cas il voulait y rentrer, et en plus que c'est un éleveur de bétail qui a tout perdu et que son pote Charlie essaye un petit peu de le récompenser pour le faire, mais Franck a l'air bien au courant de ce qui se passe, enfin, bien au courant, en tout cas il se tient au courant des infos qu'il peut recevoir. De tout ce qui se passe dans la vallée. Je sais pas ce que c'est. Ça me rappelle étrangement quelque chose. Et voilà. Alors. Merci Franck. Au moins je bloque plus la route. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle m'a lâché d'un seul coup. Essaye de démarrer. Oh. Je sais pas ce qu'elle a. Pourtant j'ai de l'essence. Je viens de faire le plein.
Robert a pris l'autre voiture pour aller en ville. J'aimerais bien qu'il rentre, il m'avait promis de rentrer ce matin. Tu crois qu'il s'est encore pris une cuite? Je peux pas être après lui toute la journée, Franck. C'est plus un gamin. Qu'est-ce qui se passe, Lizzie? Rien. Tu revois Stephen, c'est ça? Il faut arrêter vos conneries tous les deux. Si Robert n'a pas encore compris, ça va pas tarder. Pas s'il continue à boire comme ça. Mais merde! C'est pas vrai, j'en peux plus de cette putain de bagnole. Pourquoi elle démarre pas? Allez, viens, je t'emmène. Ah oui, c'est vrai qu'on avait rapidement eu quelques échos de cette situation entre Stephen, qui est censé être avec Kate, qui est marié avec Kate, je crois, et qui aurait qui aurait une petite aventure, mais qui n'a pas l'air d'être récente, qui a l'air de dater depuis quelques temps déjà, avec la Lizzie qu'on a déjà croisée, si je me souviens bien, qui était avec son chien à un moment. Le fameux Robert qui à l'époque était bien, enfin, bon, là, on les avait croisés tous les deux, et qui apparemment se pitanche la tronche en ville. Donc voilà. Donc, on a la ferme des Appleton, donc Frank, ça doit être le mari de Wendy, le père de Stephen. Je dirais que ça doit être quelque chose comme ça, et nous on est juste à côté, vous voyez, il y a le « You are here ». Voilà, il y a plein de signes infinis là. Nous on a fait quoi? Donc là on va vers où? Vers là-haut? Ou vers là? Bon, on va voir si on va vers Lakeside. Je crois pas qu'on y soit déjà allé. J'ai l'impression de zapper quelques éléments. Maison et tout là-bas, mais on va aller voir par là et on verra si on a besoin de faire demi-tour ou pas. Il y a de l'animation. Donc ça, moi j'en avais déduit que c'était des sortes de sentinelles, mais après on va voir ce que c'est. On voit qu'il est passé par là-haut. Lizzie, on n'est plus avec Frank du coup. À moins que Frank se soit uniquement là-bas. Eh bien, on va faire une nouvelle ellipse. Le temps que j'arrive tout en bas là-bas, on va essayer de continuer l'histoire avec Frank. Bon bah du coup, on est redescendu. Vous voyez, on est complètement descendu là. Tout en bas de la grange. Là on a vu Franck et Charlie se demander ce qui se passait par rapport aux bêtes. Et donc on va aller visiter ici. J'ai pas été encore là-bas. Et on va d'abord aller voir face après. Là, il y a une radio là-haut. J'imagine qu'il peut y avoir des bêtes ici. Détail. J'ai raccroché au nez de Stephen, il ne comprend rien. Et même s'il était là pour le voir de ses propres yeux, je doute qu'il comprendrait. J'ai trouvé une façon de consolider et de produire une amplification réciproque du signal. D'accord. C'est court mais intense. Donc Kate est en train d'essayer de communiquer avec l'intelligence artificielle, de trouver quelque chose en tout cas qui pourrait avoir un début de contact, et apparemment elle a des doutes, on va dire, sur les compétences de Stephen, faut rester poli. Claire, elle le prend un peu pour un abruti, j'ai l'impression, mais en même temps il la trompe, ça ne le sait pas. Donc là on arrive dans une petite maison avec une petite cabane. Ah, il y a une autre... linge. Oula, sacré temps hein, pour entendre son linge, c'est pas top.
Le télescope radio de la tour 6 a cramé. Les radiations en provenance de la région de Penrose dépassent l'entendement. C'est comme si les mathématiques s'alliaient à la lumière. Tout baigne dans une lueur étrange. Mon visage est toujours engourdi par la brûlure. Par la brûlure ? Ça va peut-être bien avant. Donc la région de Penrose est blindée de radiation. On est à et le kite là est vraiment au taquet au niveau de ses expériences sur la lumière et tout. Il a parlé de lumière, tout baigné dans la lumière, donc je pense que ce qu'elle voulait dire par là. Là on est dans une maison, il y a un gros bricoleur visiblement. Et il y a plein de trucs qui vont vers le haut là. Ça me donne envie d'aller voir à l'étage. Plein de petites lumières. Est-ce qu'on peut aller à l'étage? Oui. Votre sœur, Frank. On ne s'est pas parlé depuis l'enterrement. Ah. Je vois. Écoutez, je me demandais si vous accepteriez de me rendre service en allant la voir, histoire de vérifier qu'elle va bien. Docteur Wade, s'il lâchait une bombe maintenant, il resterait plus rien à part les cafards et Wendy Boyce. C'est un peu étrange. Un vieil homme, John Coles, qui vient régulièrement à Lakeside, est parti tout seul se promener en pleine nuit. Et je viens d'apprendre que Madame Bolton a fait la même chose. Enid, ce serait quand même fort. Il lui a amputé une jambe au printemps dernier. Oui, c'est bien ce qui me chiffonne. J'ai aussi un cabinet plein de patients souffrant de migraines et de saignements de nez. Le comité parle de la grippe, mais en 35 ans de métier, je n'ai jamais rien vu de tel. Et je me demandais si vous pourriez aller faire un saut chez elle. Même si j'y allais. Vous croyez vraiment qu'elle me laisserait entrer? Ok, laissez tomber, j'irai la voir. Je m'en occupe. Oh, et Franck, s'il vous plaît, appelez l'hôpital qu'ils viennent récupérer tout ce matériel, ça fait 8 mois. D'accord, donc Frank et Wendy sont frères et sœurs. Ils sont pas du tout mariés ou quoi que ce soit, ils sont juste frères et sœurs, apparemment ils ont un petit problème, enfin surtout Wendy envers lui. Il a l'air de l'apprécier à peu près, ou en tout cas il a l'air de trop lui en vouloir. Et donc là on apprend que les petits papis et les petites mamies, eh bien ils vont se balader sans raison particulière la nuit. Et donc il s'inquiète un peu le médecin pour Wendy, du coup il pense à elle puisque c'est un peu la doyenne du village. Donc voilà, il se dit que peut-être qu'elle aussi va partir en excursion la nuit. On va passer par là. Non. Bon, on aura appris pas mal de petites choses, rien de comment dire, très important par rapport à l'élément principal qui est cette lumière, mais en tout cas on aura appris pas mal de choses, de détails un petit peu sur les événements au cœur du village. Et on est à Yorktown, donc là il n'y a rien, rien de là-bas, mais on va y retourner. Est-ce que si on va par là il y a quelque chose? Vient de là-haut. Encore des gens qui ont fait des provisions mais qui se sont arrêtés avant, normalement. Magnifique. Des conneries.
magnifique. Je ne crois pas qu'on soit déjà passé par là. En tout cas, je me souviens pas. Petite cascade loin. Alors, là, une maison un petit peu dévastée, une ruine, une caravane un peu en ruine aussi. Pâquerette. On va trouver une barre là-dedans. J'appelle la 9, j'appelle la 9. Cowboy est garé à l'appareil. Quelqu'un me reçoit? Allô? J'appelle la 9. J'appelle Sherlock Voyageur. Charlie, tu es là? Terminé. Ma femme. Allô? Ma femme. Qui c'est? Mes filles. Vous savez précisément ce que vous avez à faire. Je ne peux pas. Ne me demandez pas ça. Vous me demandez de signer leur arrêt de mort? Ma propre famille? Et vous croyez que je ne le sais pas? Je serai encore là quand vous aurez tout fait péter. Non. Arrêtez vos leçons sur le sacrifice, espèce de lâche. Espèce de crétin. Et puisque vous êtes si malin, venez ici et réglez le problème. Dites-leur. Dites-leur qu'on n'a plus le temps d'hésiter. Il faut qu'ils le fassent. Et qu'ils le fassent vite. Wow. Stephen et... En gros, on est tombé sur Frank, donc le frère de la mère à Stephen, qui essaie de bidouiller sur sa CB, qui essaie de parler à Charlie. Et sauf qu'il tombe sur une conversation entre Stephen et Clive. Donc Clive, je vois pas trop qui c'est, mais en tout cas Stephen qui essaie de pousser Clive à... Je suppose qu'il doit contacter les avions, enfin l'autorité, pour qu'il balance, j'imagine, les ogives. En tout cas, c'est un peu ce qu'on a l'impression. Donc Stephen qui, voilà, qui, lui, ça peut se comprendre dans une certaine mesure. Mais en tout cas, lui, il est prêt à tout faire sauter, à tuer tout le monde pour contenir l'intelligence artificielle. Enfin, c'est le sentiment, en tout cas, que ça me donne quand on entend ça. Donc, ouais, donc un peu... fort en émotion tout ça. Donc là on se demande un petit peu dans quel camp est Stephen. Enfin lui c'est un petit peu voilà le scientifique qui se rend compte que sa petite son bébé, enfin c'est pas lui qui a créé tout ça, son bébé hein, prend un petit peu ses aises et il perd le contrôle de tout ça. Donc, il veut détruire tout ça coûte que coûte. Toujours est-il que ben alors du coup on aura appris un petit peu plus sur le noyau de l'histoire. Et donc on comprend maintenant pourquoi il y a eu des ogives. On imagine que c'est grâce, enfin à cause, grâce, ça dépend de quel point de vue vous êtes. Mais en tout cas c'est grâce ou à cause de Stephen que les autorités ont balancer les ogives, enfin je pense en tout cas. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Donc on aura encore vu une autre partie de toute cette vallée. On aura eu pas mal d'éléments sur telle ou telle personne. Donc là on est en train de suivre le personnage Frank. Donc on a vu Lizzie, mais Lizzie, on va d'abord terminer Frank. J'imagine que ça va se terminer par sa petite dévoration là. Donc on va y aller dans l'ordre, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu continuer quand on est arrivé sur un personnage de Lizzie. Même si on l'a croisé avec Frank, on ne va pas tout dévoiler, c'est des éléments qui parlent d'elle. En tout cas maintenant on va attendre un petit peu. En tout cas Frank, donc qui lui est un personnage plutôt bon, hein, qui est assez... Enfin, voilà, qu'il avait l'air un peu dépité de la réaction de Stephen. Donc on verra bien un petit peu ce qu'il en est de la suite.
Donc du coup, ouais, elle est allée moins un petit peu provoquée par les habitants eux-mêmes, et notamment Stephen. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît. N'hésitez pas à partager, c'est vraiment la base sur les réseaux sociaux, de bouche à oreille, voilà. N'hésitez vraiment pas, ça fera toujours plaisir. À moi comme à toutes les autres petites chaînes, hein, celles qui ne sont pas très connues. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour la suite de cette semaine ou d'autres vidéos. Allez, ciao ciao!